Tu voulais me parler ? Je t'ai à l'œil, Hunter. J'ai bien remarqué ton petit jeu. Et de quoi s'agit-il exactement ? Oh, c'est grave. Très grave, même. Tu verrais ta tête. Je plaisante. Je remarque juste que tu embrasses l'obscurité qui est en toi chaque jour un peu plus. C'est toi qui la possède, et non l'inverse. Et je voulais te dire que je suis fière d'être ton... ton amie. Je suis touchée et honorée que tu me considères comme ton amie, Illyana. Et prends pas la grosse tête non plus. Pendant des années, je me suis sentie mise de côté. Une sorcière qui utilise sa magie noire pour protéger le monde des forces du mal. J'étais incomprise, les gens avaient peur de moi. Et puis j'ai rencontré les Midnight Suns. J'ai découvert que j'avais ma place dans ce monde. Je comprenais pas ce qu'une fille démoniaque comme moi faisait parmi tous ces héros. Jusqu'à ton arrivée. Toi aussi, tu m'as beaucoup appris, Illyana. Peut-être, mais tu sais pas tout sur moi. Mon enfance dans les limbes a pas été facile. La créature qui m'a kidnappée, son nom est Méphisto. Le prince du mensonge? Le grand corrupteur? Le seigneur du royaume des âmes perdues? Tu parles bien de ce Méphisto? Lui-même. Il voulait corrompre mon âme. Il m'a obligée à répandre la souffrance et la mort. Je le hais pour tout ce qu'il m'a fait subir, mais sans lui, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et nos chemins se seraient jamais croisés. Je lui en suis un peu reconnaissante. Est-ce que ça fait de moi un monstre ? Bien sûr que non. Une horrible créature a fait souffrir mon ami. Pire, il lui a fait croire que tout était de sa faute. C'était ma faute. C'était lui le monstre, Illyana. Pas toi. Tu ne devrais même pas te poser la question. Je suis pas du même avis. Mais j'ai confiance en toi. Je vais réfléchir à ce que tu viens de dire, ok? D'accord. Merci de m'avoir écouté sans me juger. Vous avez toute mon attention dans cette pièce. Excellente trouvaille. Tu n'as toujours pas réussi à sauver le monde ? Parfois, je m'impressionne moi-même. Trouve des noyaux gamma, envoie-les-moi. Pas le temps de traîner, Hunter. La recherche constante d'innovation, c'est le slogan des Stark. À la prochaine. Ok, qu'est-ce que tu veux ? T'avais des amis avant de... tu sais... passer l'arme à gauche? Quelques-uns. Pourquoi tu me demandes ça?
Je pensais juste à mon passage chez les fugitifs. Ça t'arrive de regretter certaines personnes de ton passé ? Ce qui appartient au passé est révolu, disparu à jamais. Ouais, c'est un peu froid, tu trouves pas ? Ça ne sert à rien de regretter quelqu'un qui n'est plus là. Ça ne le fera pas revenir. Attends, t'es en train de me dire que personne te manque ? Même pas un ami ? Pourquoi ? C'est le cas pour toi ? Les amis de mon ancienne équipe, ouais, ils me manqueront toujours. Ça craint la nostalgie, des fois. Ça passera. Ça pourrait pas passer plus vite. J'ai besoin de me concentrer sur d'autres trucs aujourd'hui. Trop, c'est trop. Il faut abattre Dracula. Si on élimine leur chef, c'en sera fini de cette race de vampires. Nous ne savons même pas où le trouver. Bah, c'est pas comme si on n'avait pas la moindre piste. Pardon, que veux-tu dire par là ? Ah, ça, si je le savais. J'ai arrêté de lire mes textes en 2016. Je fais que de l'impro, même quand tout le monde me demande ferme de la boucler. Ferme ton clapet si tu n'as rien à dire. CQFD. Mais non, personnellement, j'ai aucune idée d'où trouver notre ami et son armée de sangsues. Mais l'un de tes clients a des indices. Ça dépend. Vous embauchez ? Mais... comment ? D'après le docteur Morbius, les Emalisques émettent une faible signature gamma. J'ai croisé les données satellites du central pour trouver où ils se concentraient. Et puis, je me suis dit que Sin ne prendrait jamais un avion de ligne. Elle vaut mieux que ça, pas vrai ? J'ai vérifié les données du SHIELD sur les vols privés potentiellement liés à Hydra, et j'ai remonté la piste de ceux qui ont atterri à New York à l'époque où elle est apparue. Oh, et au fond, leur sérum solaire n'est qu'une potion magique. J'avais l'intuition que la table miroir parviendrait à détecter leur cuve. S'ils pouvaient en expédier partout, pourquoi pas à leur base ? Si on recoupe toutes ces informations... Voilà, on tombe sur Dracula. Et Sin, j'imagine. Vous savez que je suis journaliste, hein ? La déesse soit louée. Qu'est-ce qu'on attend ? Tornade, quelles sont les prévisions ? Le ciel est dégagé. Venom, mange ceux derrière nous. Quoi ? C'est tout ? Deadpool, Morbius, s'ils essaient de franchir le pont, on... Moins de blabla et plus de balles, pas vrai, Doc ? C'est l'heure des visites à domicile. Oh oh ! Ça, c'est le château! Comment ça se fait que personne n'était au courant de son existence depuis tout ce temps? Faudrait déjà savoir placer la Transylvanie sur une carte. Tu voudrais pas plutôt parler de la Pennsylvanie?
Bien vu, Blade. C'est pas trop tôt. Faudra m'apprendre comment faire. Amigo. Rien ne peut m'arrêter. Ça doit pas être ton truc, le poker. Je serai au-dessus pour une fois. Je suis bien content d'être du bon côté. La chance que je m'appelle pas Hulk. Bon, ça suffit. Au fond, j'ai toujours su que je viendrais ici. Et moi, je n'aurais jamais imaginé entrer chez Dracula. Si on m'avait dit qu'un jour je prendrais d'assaut le château de Dracula avec le Daywalker et le vampire vivant, pouah ! Qui l'aurait cru, hein ? Il y en a au moins un que ça amuse. Vous l'aurez voulu. Attendez, à quoi vous attendiez, honnêtement ? Je n'ai jamais aimé être le centre de l'attention. J'imagine déjà la fierté de votre chef. Ils sont particulièrement fascinés par ma présence. C'est parti.
ces fanatiques sont les seuls à tous. Si vous me voulez, venez me chercher. La fête est finie. Il me lâche pas. Ce monde est à son apogée. Notre attente touche à son terme. Je l'aiderai si je peux. Dire que nous avons des points communs avec ces serviteurs sans âme, que le même sang coule dans nos veines. Parle pour toi. Je ne leur ressemble pas du tout. Et ces effluves particuliers que vous dégagez tous ? Ce n'est pas ce que je voulais dire, imbécile. Tu as déchaîné ta puissance ? Et même un peu plus. Venom et Tornade, avec moi. Morbius, Deadpool, faites-moi gagner du temps. Du temps pour quoi ? Laisse-moi deviner. T'as rendez-vous avec Vladdy le vilain vampire ? Disons plutôt une mise au point. Comme toujours, mes disciples sous-estiment ma puissance. Et vous faites la même erreur. Thank you.
C'est parti. Et moi qui pensais que l'homme-chose était repoussant. Vous êtes à portée de main. Les éléments s'activent. Vous ne connaissez pas ce coup-là. Vous l'avez bien cherché. Faudra m'apprendre comment faire. Juste une bouchée. En plein dans le mille. Quelle faiblesse. Combien de fois vous faudra-t-il encore échouer avant d'ouvrir les yeux? Notre faim fait notre force. Ne me reproche pas tes appétits, vermine. Je t'ai seulement donné une raison de les satisfaire. Nous nous refaisons de ta chair. Je vous libérerai. Je vais vous montrer la véritable. Joli coup. Nous n'aimons pas l'électricité. C'est trop dangereux. Thank you.
notre tour. Dahlia mettra des années à se remettre du mal que vous lui avez fait. Mais au moins, elle saura que son bourreau n'est plus. Cette fille devrait s'estimer heureuse d'avoir servi une noble cause. Sa souffrance n'aura pas été vaine. Tu risques de changer d'avis. Charge. Allez voir ailleurs si j'y suis. Vous ne vous échapperez pas. Nous aimerions aussi pouvoir voler. Dommage pour vous, mais ils n'ont pas éclos. N'attendez plus de renfort. Leur heure vient. Sitôt que le rideau sera tombé sur vous. Je veillerai à ce que les survivants rejoignent leur maître dans la tombe. Quelle cruauté! Si seulement nous avions pu devenir amis. Vous avez la langue bien pendue. La mort dans les mains. Ça ne suffit pas. Regardez le ciel. Vous ne sortirez pas d'ici. Faisons bon usage.
Préparez-vous. Votre sang m'offrira une nouvelle jeunesse. Quelle faiblesse! Pas d'échappatoire. Quelle faiblesse! Osef, je veux pas rater le combat contre le boss. Tout va bien, pas vrai, Doc? Pensez avoir gagné. Sans mon armée, rien ne pourra vous protéger de ce qui vous attend. On s'en sortira. Oh, tu voulais participer peut-être? Oh non, vous n'aviez pas besoin de moi. Pour ma part, comme toujours, je pense à la suite. Nous avons décimé les nouveaux vampires. Plus de viande avariée. Ça dépend. T'aimes les tacos? Il est grand temps de partir. J'ai jamais été aussi heureux de voir un trou bleu. Sauf la fois où j'ai croisé Ronan l'accusateur. Magique. Tu penses qu'il est mort pour de bon? Je suis relativement optimiste. Finalement, mon maître m'a déçu. Oh, je ne commettrai pas deux fois la même erreur. Hunter, je suis à la piscine. Il y a un truc qui risque de vous intéresser. Quoi de neuf, Hunter ?
bon sang, Hunter, j'aime pas ça. On peut faire autre chose, si vous préférez. Je parle de la situation, du fait de chercher les pages d'un livre maudit, d'affronter ta mère démoniaque, de se planquer à l'abbaye alors que tout le monde morfle. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. On trouvera une solution. Laissons tomber les banalités, tu veux bien ? Je ne peux pas résoudre ce problème. Ce chantier avec les rayons gamma, c'est contraire aux lois de la physique. Sauf si c'est un sous-produit, j'en sais rien. Comment je suis censé aider les autres alors que la réalité n'en fait qu'à sa tête ? Est-ce que l'entropie a foutu le camp ? Et la friction ? Manquerait plus que les ondes chopent une masse. Oui, le monde tel qu'on le connaît est en danger. Et le sauver n'aura rien de facile. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? On est là parce qu'on a une chance de changer la donne. Tant qu'on n'abandonnera pas. Très bien. J'ai jamais vu pire encouragement, cela dit. Mais tu as raison. Pourquoi pas, je peux toujours rire. Hunter, vous voilà. Je ne m'attendais pas à ce que nous devenions. Tu t'amuses bien ? Ah oui, c'est génial. On m'invite pas souvent à ce genre de fête. Et même quand ça arrive, je suis souvent en retard. Je te sens distrait. Ouais. Maintenant qu'on a battu la terrible armée de bêtes à crocs de Dracula, il ne nous reste plus qu'à nous reconcentrer sur la terrible armée de Lilith. Peter, on est ici pour faire la fête. Profite au moins de notre victoire. T'as raison, Hunter. J'ai tellement l'habitude de sauter d'une catastrophe à l'autre que mon cerveau se prépare toujours au pire. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre d'habitude ? J'attrape les braqueurs et les voleurs de sacs à main. À bien y réfléchir, je me détends pas vraiment. Ça doit pas être dans ma nature. Nous nous sacrifions pour préserver tout ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a pas de mal à célébrer ses réussites de temps à autre. Mon sens d'araignée est toujours en alerte. Mais j'aime beaucoup ton raisonnement. Bon, assez parlé boulot. Je vais remettre mon chapeau de fête. Qui veut une sculpture de ballon en toile d'araignée ? Hein ? Maintenant que nous avons battu Dracula, crois-tu que je pourrais régner sur les vampires ? C'est ce que vous souhaitez ? Franchement, non. Mais la disparition de Dracula risque de créer un vide. Il vaudrait peut-être mieux prendre la situation en main avant que quelque chose d'encore pire ne le remplace. Une armée de vampires, ça peut toujours servir. Oui, mais convaincre deux vampires de collaborer est aussi difficile que de dresser un chat. Je ne sais pas comment en faisait Dracula. Dracula dressait des chats ? Qui sait ? C'était peut-être la clé de son succès. Que feriez-vous si vous preniez leur tête ? Je ne sais pas. Je les mettrais au régime. Vous risquez d'avoir du mal à convaincre les familles nombreuses de renoncer à se nourrir de victimes innocentes. Oui, et Blade ne manquerait pas de me le reprocher aussi. Tout bien réfléchi, je n'ai aucune envie de gérer ce genre de casse-tête. Mais les vampires ont bien le droit de rêver, pas vrai ? T'es le meilleur des chiens, tu le sais, ça, hein ? Ça fait plaisir de les voir se détendre. Cette fête était une bonne idée. En effet, on l'a bien méritée. Surtout après avoir vaincu Dracula et Sin. Il paraît que tu as déchaîné toute ta puissance contre elle. Je n'en dirai pas tant. Que ce soit exagéré ou non, tu as fait ce qu'il fallait pour protéger l'équipe. Je t'avoue que c'était un plaisir de la remettre à sa place, à pleine puissance ou non. Sin a testé tes limites et elle a essayé de te pousser à bout.
Elle devrait s'estimer heureuse que tu ne l'aies pas grillée. Je n'ai aucun remords en ce qui la concerne. Maintenant qu'on a réglé ce problème de vampire, j'espère que tu vas pouvoir passer à autre chose. Oui. Et je suis contente de voir Dahlia ici. Ça aide. Est-ce que tu lui as parlé? Un peu. Mais je voudrais d'abord qu'elle se mêle aux autres Midnight Suns. Ça fait plaisir de les voir tous ensemble. Oui. Je suis contente qu'on ait pu lui donner cette chance. Et voilà! Une petite fête pour célébrer notre victoire sur le Prince des Ténèbres. On a même des tacos. Dracula est mort? Vous en êtes sûr? À 100%. Eddie a trouvé son château et Blade a mené l'assaut avec Venom, Tornade, Deadpool et Morbius. Dracula n'est plus des nôtres. Et ces nouveaux vampires se font beaucoup plus rares. Alors, un petit mot pour saluer notre victoire définitive. Je croise les doigts sur le plus grand roi des vampires de tous les temps. Pendant des siècles, le prince des ténèbres a régné sur les ombres. Mais c'est terminé. Bien dit. Aujourd'hui, nous avons planté un pieu dans la poitrine de Dracula pour l'enterrer avec. C'est original, mais pourquoi pas? Finissez en beauté! À présent, le monde est libéré de son manteau de ténèbres et se tourne vers des jours meilleurs. Ah, j'en ai eu des frissons! Vraiment? Je pensais avoir forcé la dose. Je vous retiens pas plus, mais assurez-vous de parler à Blade avant de partir. Oh? À quel sujet? Le plus célèbre chasseur de vampires a vaincu le grand-père des enfants de la nuit, avec ou sans Y, et d'innombrables créatures du genre. Je sais pas, Hunter. De quoi pourrait-il bien avoir envie de parler? Une dernière chose, Carole. Oui? Est-ce qu'on sait comment Dracula a créé ses vampires? Tenez-vous bien, ça risque de vous étonner. Il s'avère que... Vous me demandez de parler boulot au beau milieu d'une fête. Filez! Je ne vous sens pas très enthousiaste, docteur. Quelque chose vous tracasse? À vrai dire, je pensais juste à Dracula. J'avais la certitude que nous le vaincrions. Mais... Nous avons triomphé de notre ennemi... Mais il est curieux de se dire qu'une figure légendaire, maléfique ou non, ne sera plus jamais des nôtres. Je comprends ce que vous ressentez. Oui, après tout, vous faites partie de ces légendes. Bien des choses ont disparu à mon époque, et je n'ai pas toujours pu les voir partir. Et voilà que nous passons la fête qui célèbre la chute de notre ennemi à nous souvenir de lui. La plupart des gens n'ont pas de raison de réfléchir à ça. C'est vrai. Et peut-être devrions-nous faire meilleur usage de notre temps. La fête nous attend. Oui, et j'ai ouï dire qu'il y aurait des tacos. Nous ferions mieux de nous hâter. À quoi tu penses, Sarah? À beaucoup trop de choses. Comme toujours? J'étais persuadée que Dracula serait toujours là, une éternelle menace tapie dans l'ombre. Imagine combien de ces menaces les Midnight Suns pourraient éliminer. Savourons cette victoire avant de songer à la prochaine. Et à part ça, qu'est-ce qui te tracasse? Blade. Quand il est arrivé à l'abbaye, il était complètement perdu, submergé par les émotions de son côté vampire. Lentement, mais sûrement, il s'est extirpé des ténèbres. C'est ainsi qu'il est devenu l'homme que tu connais. Un chasseur de vampires qui a triomphé de Dracula. Un vrai miracle. C'est vrai. Mais je ne sais pas comment la disparition de son ennemi juré va l'affecter. Rien n'a jamais arrêté Blade. Je crois que cette victoire sera un tremplin pour lui. Oui, peut-être. Mais sans but et sans repère, où ira-t-il? Oh, il a tellement changé.
Je ne supporterai pas de le voir perdre la vie qu'il a eu tant de mal à construire. M'aideras-tu à éviter que ça n'arrive ? Ne t'en fais pas. Je le tiendrai à l'œil. Je compte sur toi, Hunter. Bon, ça suffit avec mes idées noires. Tu les supportes déjà assez souvent comme ça. Va t'amuser. Profite un peu de tes amis. Faut-il lancer un exorcisme ? De quoi tu parles ? La véritable Illyana ne profiterait jamais d'une fête. Si, ça arrive. En petit comité. Et quand c'est pas moi que ça concerne. Alors, tu t'amuses bien ? Bof, je suis venue pour les tacos. Et aussi, pour te féliciter, Hunter. Tu devrais dire ça aux autres. Je n'étais pas là quand Dracula est mort. Ah ouais, t'es allergique aux compliments. J'aimerais que tu reconnaisses ce que t'as accompli pour une fois. Regarde Blade. Il a pris la tête de l'équipe qui a accompli son rêve, arrêter Dracula. Mais comment ? Il supportait pas Deadpool. Il croyait que Morbius était à deux doigts de succomber à sa soif de sang. Et tu l'imagines sauver Eddie Brock pour les beaux yeux de Peter Parker ? Et Tornade alors ? Il la respecte. Elle a assez à faire. Il aurait pas voulu lui en rajouter avec ses histoires d'apocalypse vampirique. C'est toi qui as changé tout ça. Tu nous rassembles. Tu montres aux plus bourrus d'entre nous qu'on est capable de travailler ensemble. Tu crois que t'as jamais rien fait pour contrer Dracula ? Si ! T'étais avec eux par la pensée. Blade a dirigé l'équipe comme tu le fais toujours. Alors oui, félicitations, Hunter. Bon, va te chercher un taco. Tu ne prévois pas de faire exploser un truc pour asperger tout le monde ? Un boulet de canon surprise dans la piscine, ça compte ? Niette, les tacos sont déjà pré-écrasés. On m'a dit que vous étiez un vrai fêtard, Logan. Ça dépend de ce que t'appelles une fête. Ça, par exemple ? Y a l'air d'y avoir de quoi bouffer. Mais j'aurais bien bu autre chose que ce fichu soda. Vous êtes en bonne compagnie, c'est déjà ça. C'est vrai, c'est un bon groupe. Même ce taré de mercenaire sait se défendre. Deadpool a fini par s'incruster chez nous. Ouais, comme la poussière. J'ai mis Dahlia au courant. Ça s'entend déjà à sa façon de parler. Ça lui a enlevé un poids. Je sais ce que c'est que d'être toujours sur ses gardes. Qu'on soit mutant ou pas, ça fait partie du jeu. Oui, mais combien de gens se font traquer par des démons surnaturels ? Suffisamment pour qu'on bosse toutes les nuits. Pour un guerrier qui a la réputation d'être grincheux, je vous trouve plein de pragmatisme. Ouais, c'est le soda qui me fait cet effet-là. Dans ce cas, partageons-en un autre. J'en suis. La vache ! Goûte ces tacos ! Ils ont mis quoi dedans ? Tu pourrais demander à Deadpool, mais je doute que tu obtiennes une réponse claire. Tu sais quoi ? Peu importe. À ce stade, tant que c'est pas du vampire. Cela dit, j'en ai éviscéré tellement que je commence à avoir peur d'en devenir un moi-même. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faudrait qu'eux aussi te mordent. Hunter, ça fait des lustres qu'on se bat contre eux. Si j'étais un os, ils n'auraient plus rien à ranger. Ne t'en fais pas. Si tu te transformes, je t'abattrai moi-même. Merci, je suppose. Blade a sûrement un pieu sur lui. On pourrait te le planter dans le cœur pour voir ce que ça donne. Ouais, non merci. Eddie, je n'ai aucune raison de m'inquiéter pour toi. Et tu sais pourquoi ? Parce que les vampires ne se jettent pas sur les tacos. C'est vrai ? Oui. Est-ce que Blade et Morbius sont en train d'en manger ? Non, mais je me suis dit qu'ils devaient suivre une sorte de régime. En quelque sorte, oui. Oh ! Bon bah dans ce cas, je vais retourner me resservir. Tu passes un bon moment ? Salut ! Ouais, ça fait plaisir de vous revoir. À quoi ressemblent tes journées depuis que tu es partie ? Ah, j'ai pas le temps de m'ennuyer, ça c'est sûr. Ça me rend un peu nerveuse d'être si loin de l'Institut Xavier, mais ça me fera du bien. J'ai plus l'habitude de discuter comme une personne normale. Est-ce que tu te sens stressée ? Un peu, mais c'est pas un mal.
C'est pas facile de présenter les Morlocks aux autres mutants. Mais c'est très gratifiant. Il n'aurait pas pu trouver de meilleure médiatrice. Tornade avait raison, hein. Vous faites beaucoup de compliments. J'espère que tout va bien. Je sais que tu t'inquiétais de voir ton corps changer. Ben, pour quelqu'un qui s'est fait torturer par des vampires, ça va pas trop mal. D'ailleurs, merci d'avoir réglé leur compte à Dracula et Sin. J'aurais aimé être là quand ils ont eu ce qu'ils méritaient. Je t'en prie. Ils ne risquaient pas de s'en tirer après tout ce qu'ils t'ont fait. Que ça me plaise ou non, ils ont laissé leur marque. C'est pas facile, mais... le temps aide un peu. Tant mieux. J'espère que ça te fait du bien de faire un peu la fête. Ah, c'est l'heure des discussions gênantes. Prends soin de toi, Dahlia. Vous aussi, Hunter. J'espère qu'on se reverra. Ça ne fait aucun doute. J'ai hâte. La dernière fois qu'on a fêté un truc, ça a dégénéré. Mais t'inquiète, j'ai au moins 6 moyens de pimenter les choses. J'ai hâte d'entendre ce que tu nous prépares. Rien de bien méchant. Je comptais demander à Eddie d'appeler son symbiote pour lui faire essayer ma... nouvelle sauce piquante. Oh, pimenté au sens propre, alors. Bah, ouais. Hé, je suis pas toujours un danger public. Moi aussi, j'ai le droit d'évoluer. Écoute, je suis juste là pour m'éclater, pas pour me faire censurer. Nous sommes là pour célébrer notre victoire. C'est une bonne occasion de se lâcher. Notre victoire ? Je sais bien que tu nous as pas vu démonter Dracula, mais c'est clairement moi qui ai fait le plus dur. C'est pas les autres qui se sont cassés une jambe. Toi non plus, d'ailleurs. Chut ! C'est ce que j'essaie de dire. Qu'il t'ait aidé ou pas, je suis très fière de toi. Si seulement mes parents pouvaient en dire autant. Tu as enfin pu régler son compte à Dracula. Et c'était fantastique. C'est un événement qui se fête. Je sais qu'on est censé se détendre, mais je m'attends encore à ce qu'il sorte de son cercueil. On lui a couru après pendant un bon moment. Donne-toi le temps de digérer tout ça. Morbus avait des doutes, cela dit. Ça me travaille peut-être plus que je ne le croyais. Il voulait la mort de Dracula tout autant que toi. C'est normal de se méfier pendant un certain temps. C'est sans doute une bonne façon de voir les choses. J'aurais adoré voir la tête de Dracula quand vous l'avez battu. Ça va me gonfler mon ego pendant des semaines. Rien ne peut plus me casser le moral. Oui, enfin, n'oublie pas que tu n'étais pas seul. Notre bande d'excentriques aura servi à quelque chose. Même si j'ai pas hâte de retravailler avec certains d'entre eux. Tu peux même dire Deadpool. Il ne le prendra pas mal. Tu lis dans mes pensées. À quoi tu penses, Sarah ? Avant que tu arrives, Morbius a déclaré que les tacos avaient une texture vivifiante. Deadpool et moi avons éclaté de rire. Pas pour les mêmes raisons, je te rassure. Je guette le bon moment pour un boulet de canon surprise. Comment as-tu introduit ce camion dans l'abbaye ? C'était pas si difficile, en fait. Je n'ai eu qu'à montrer le menu à Magic, et elle m'a ouvert un portail sans poser de questions. J'étais bien embêté. J'avais déjà prévu toute une chorégraphie. Oh, et pour finir, j'allais même attacher des cierges magiques à mes... Passionnant. Et tu comptes le garder là longtemps, ce camion ? Ça dépend. Seulement si tu sais qui décide de dépenser ses pépettes virtuelles. Qui ça ? Oh, je disais pas ça pour toi. Sympa votre fête. Comment ça va ? Prends soin de toi, Dahlia. Vous aussi, Hunter. J'espère qu'on se reverra. Ça ne fait aucun doute. J'ai hâte.